Alors, je vous signale qu'il est 22h38. Qu'à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. Vous demandez de bien vouloir vider vos poches. Dans quelques heures, tu t'apprêtes à enfreindre la loi. Quel est ton état d'esprit en ce moment? Je ne pense qu'aux animaux. Comment gères-tu la pression? Je me dis que... si nous faisons ce qu'il faut, tout se passera bien. Ça va aller? C'est pas pour moi que je suis inquiète. Et faire ce qu'il faut, c'est... y croire. Ah ouais, alors c'est ça ta défense? C'est ça ce que tu comptes en sortir comme argument? Mais si tu fais ça, t'es grillé, mon pote. Tu veux te jeter dans la gueule du loup? Bah vas-y. Va leur sortir tes putains d'excuses à 3 balles de militants, la con. Ils en ont rien à foutre de ça. Putain, mais tu vas finir en tôle, Franck, cette fois-ci. Tu réalises? Vous croyez que tout est permis pour une cause, que vous pouvez faire ce que vous voulez? Je reformule ma question encore une fois. Où étiez-vous le 25 au matin, aux alentours de 4h? Ton équipe. T'as confiance en elle? J'ai peur de flancher. Dans ton commando, il y avait une balance. Il vous a tous balancé. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu veux jouer à quoi, putain? Est-ce que vous pensez que Franck est conscient de l'impact qu'il a eu sur votre vie? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as dans ta tête? Pourquoi tu t'infliges ça? Et pas moi, merde! L'homme est ce qu'il est, Franck. Il n'y aura jamais de monde meilleur où tout va s'arranger. On n'a que celui-là, et quoi que tu fasses, il changera pas.